spectacle, conférences, sport. À tous vos événements, Ami Télé est là. Ici Jess Archambault. Dans le cadre de la campagne de sensibilisation et de financement « Les matchs qui ont du chien », pour la Fondation Mira, nous avons fait la tournée du Québec avec la Ligue d'hockey junior majeur. Aujourd'hui, à Drummondville, nous avons fait la rencontre d'un chiot en formation. Bonjour! Moi, je suis Chantal Dalphé, je suis famille d'accueil de la Fondation Mira. On amasse des dons pour aider à financer la formation d'un chien guide ou un chien d'assistance. Bonjour, je me flatter Méloé. Je suis accompagnée de ma belle Méloé, qui est en famille d'accueil chez moi. C'est nous qui sommes en charge de lui apprendre à être un bon chien en public. C'est ma belle fille, oui. Méloé a 8 mois. C'est un Labernois de type Saint-Pierre. Pour avoir le look Saint-Pierre, ça prend le museau blanc, le poitrail blanc, le quatre bouts des pattes blanches et le petit bout de queue blanc. Elle fait la ville aujourd'hui pour essayer d'avoir plus de dons. Bonne fille. Bonjour. Oui, on est là pour les faire flatter. On permet aux gens de venir flatter nos chiens. On apporte de l'information. Ils vont savoir un petit peu ben, qu'est-ce que c'est la Fondation Mira, tout ça. Puis, d'un autre côté, ben, mon chien, moi, ça lui permet de socialiser encore plus, de voir plus de gens. On la voyait tout à l'heure, elle était couchée par terre, puis elle se laissait faire. Là, c'est comme, c'est de l'indifférence pour elle. Puis c'est vers ça qu'on veut s'en aller plus tard. Parce que quand elle va travailler, il ne faudra pas qu'elle soit attirée vers les gens. Elle est toute cute. Maïka, puis Juliane, puis Marguerite. Pardon? Elle a 8 mois? Oui, elle a 8 mois. Elle aime les chiens. J'aimerais ça avoir un chien Mira pour m'aider à enlever mon stress, puis comme ça, là. Mais il était tout cute. Il était tout doux. Est-ce que ça peut apporter aux jeunes? Bien, c'est sûr que là, ils sont ouverts un petit peu plus à ce que c'est la Fondation Mira. C'est ça, on les sensibilise, les jeunes d'abord, les adultes de demain. Bravo à l'équipe de Mira qui a fait la tournée de 12 villes au Québec pour la campagne Les matchs qui ont du chien. Pour plus d'informations, mira.ca.